Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est TutoPratix. Alors, dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment mettre une vidéo en 1080 avec Camtasia Studio 7, donc en Full HD, donc comme ça vous pourrez mettre vos vidéos sur YouTube en Full HD. Donc voilà, donc avec Camtasia Studio 8, excusez-moi, je me suis trompée, donc c'est Camtasia Studio 8, voilà. On va commencer de suite. Alors déjà, quand vous mettez une vidéo en ligne, quand vous faites une vidéo, ensuite vous tombez sur ça. Ici vous mettez en 1280 × 720, ok, close, parce que ça c'est un meme. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, vous allez dans Zoom and Pan. Si votre vidéo est comme ça. Je ne sais pas si elle est si elle n'est pas bien dimensionnée. Ici, vous avez, à la place de 55, vous mettez 80. Et là, vous avez juste à bien cadrer la chose. Voilà. Quand tout est étant, quand il y a des cadres partout qui sont jaunes, mais c'est bon. Donc, quand ceci est fait, on va faire un petit peu le plus compliqué. On va cliquer sur Product and Share. Ici, on va choisir Add Edit Preset News. Ici, on va mettre un titre, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Oula. C'est un format aussi MP4. Donc c'est une meilleure qualité. Donc on choisit le mode MP4 bien évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse. On fait suivant. Ici on décoche Product with Controller, voilà. Pas de contrôle, hein, voilà. Size, on va cocher ceci. Et on décoche ceci. Et ici on met 1080. 1920. Et ici 1080. Ensuite, ta vidéo setting. À la place d'automatique, on va mettre à 30. Ici, on met 3. L'encodage du mode, on le laisse en qualité. Et là, on met un 100%. Audio setting, à la place de ça, vous laissez cocher encoder l'audio, vous laissez cocher. Et ici, vous choisissez 192. Et là, vous faites suivant. Et terminé. Donc, ça, c'est juste une petite image que vous voulez mettre sur votre vidéo. Donc, après, vous décidez. Voilà. Moi, je vais annuler parce que j'avais déjà fait. Voilà. Donc, moi, il était. Ensuite, votre truc, il sera là. Moi j'ai mis PP34, je vois pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel a été pratique, que vous avez réussi à faire tout ce que vous voulez, et facilement, et voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, et voilà. Voilà, ciao ciao les gens, restez connectés.